objet nombre SCP-117. Couteau suisse complet. Classe sûre. Procédure de confinement spécial, SCP-117 doit être gardé dans la petite pochette en cuir dans laquelle il a été trouvé, sauf lorsqu'il est utilisé ou à l'étude. Tout membre du personnel ayant été jugé mentalement apte peut entrer dans la cellule de confinement de l'objet sans requérir aucune autorisation. Par contre, s'il est suspecté d'essayer d'enlever SCP-117 sans autorisation, le membre concerné doit être recherché et, le cas échéant, réprimandé. La porte de la cellule de confinement doit rester verrouillée et un garde doit en garder l'entrée seulement lorsque l'entité est utilisée. Description : l'objet semble être un simple objet multi-usage, de conception et d'origine inconnue, trouvé à Floride. Au premier abord, seuls les objets habituels sont présents : tournevis, couteau, décapsuleur, etc. Mais si l'utilisateur doit faire une tâche, peu importe l'outil qu'il tentera de tirer et utiliser, un objet convenant parfaitement pour exécuter son travail va prendre la place de l'outil originellement tiré. Quel que soit l'espace pris par ce nouvel objet, tous les autres semblent présents alors qu'après la tâche exécutée et l'outil refermé, mis à part si un travail de même nature doit à nouveau être effectué, cet objet ne sera plus présent sur l'outil multi-usage. Addendum, le personnel de niveau 2 doivent se référer au document nombre 117B. Document nombre 117A, effet dû à l'usage. Après d'innombrables tests et utilisations avec le SCP, lorsqu'il est en contact avec le membre du personnel, il a été constaté qu'il blesse et in fine peut tuer l'utilisateur en absorbant de son corps des matières telles que du fer, du cuivre, du calcium et du zinc. Les gants ne fournissent aucune protection face à cet effet et le taux d'absorption dépend de l'outil créé et utilisé par SCP-117. Il est conseillé que seul le personnel de classe D utilise l'entité pour éviter que les chercheurs ne se blessent ou se tuent. Document nombre 117B, rapport d'utilisation de SCP-117. Les entrées identiques ne sont pas inscrites, sauf si elles montrent différents résultats. Situation outil produit par SCP, une vis desserrée sur une plaque en métal tournevis, bien que n'étant pas celui standard. Un clou à peine enfoncé dans un morceau de bois. Marteau standard d'un morceau de bois avec des lignes de coupe dessinées. Une scie électrique, ne nécessitant aucune source d'énergie extérieure. Un morceau de verre par balle. Un laser inconnu, ne nécessitant aucune source d'énergie extérieure. SCP un couteau de combat ensanglanté, un agent ayant un os cassé, un petit objet muni d'un déclencheur et qui, lorsque actionné, émit une étrange radiation soignant instantanément la blessure. Un membre du personnel de classe déméritant d'être exécuté. Données supprimées. Communication nécessaire pour SCP-363. Données supprimées. Voir le rapport d'incident nombre 117-3F. Autorisation au 5X requise. Un jeu de cartes non mélangé. Un batteur de cartes de taille. Moyenne. Un personnel de classe des souffrant d'un cancer en phase terminale. L'objet similaire au sixième test. Un homme mâle de type caucasien en parfaite santé, sans casier judiciaire. Données supprimées. Un homme mâle de type hispanique en parfaite santé, sans casier judiciaire. Données supprimées. Une fourchette en argent en parfait état. Aucun outil trouvé sur SCP-117. Données supprimées. Un tournevis. Une vitre sale. Une lance projetant un mélange de savon et d'eau qui a totalement nettoyé la vitre. Un iPod déchargé. L'embout du cordon permettant de le brancher, ne nécessitant pas de source d'énergie extérieure. Une feuille de papier vierge. Un stylo rempli avec, vraisemblablement, une quantité infinie d'encre noire. Un téléphone portable de marque Samsung. Un petit appareil qui, quand on le fixe au téléphone, augmente la force du signal d'approximativement 250%. Document nombre 117G, fait nouveau concernant SCP-117. Après avoir exposé le SCP à toute une gamme d'objets et de personnes, il apparaît que l'entité pourrait très bien, dans une certaine mesure, être douée de sensibilité. Ainsi, nous pouvons en déduire que SCP-117 est susceptible de télépathie et donc ne doit pas entrer en contact avec des SCPs possédant de tels pouvoirs DR. Climent. Ce qui précède est une retranscription des notes personnelles du DR Climent qui semble porter un intérêt inoffensif à l'objet. Des tests avec d'autres SCPs sont suspendus à dater du 9-16. Note nombre 117 1h54. Des tests sont proposés pour SCP-882 et sont en cours d'évaluation par le DR Climent. Note nombre 117 2h6-19-20. Les tests biologiques sont interrompus par le DR.
Clément, après l'incident nombre 117-4, le SCP est toujours apte à être utilisé pour des réparations dans nos installations aussi longtemps qu'il est escorté par un ou plusieurs gardes armés et connaissant les propriétés de l'objet. Note nombre 117-4-621-20. Après réflexion, je dois annuler les tests de SCP-117 avec SCP-882, le risque d'endommager SCP-882 est trop important pour être négligé DR. Clément. Note nombre 117-26-9-16. Après l'incident nombre 117-3F, je suis forcé d'arrêter les tests de SCP-117 avec d'autres SCPS. Le risque d'une brèche de confinement est trop grand. Tout test d'ordre biologique doit aussi stopper jusqu'à une date ultérieure puisque les résultats montrent des variations et qu'il y a une limite de personnel de classe D disponible pour mes recherches DR. Clément. Note nombre 117-27-720. Les tests biologiques sont repris par le DR. Clément, avec des résultats mitigés. Des tests de SCP-117 avec d'autres SCPS sont reconsidérés par l'O5, mais il semble peu probable que de tels essais auront lieu. Note nombre 117-28-320. Des tests sont suggérés pour SCP-682. Yeah.